Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de Fable Anniversary sur PC. La dernière fois on s'était arrêté ici après avoir récupéré l'âme de l'arène. On avait le choix entre récupérer l'âme dans une arène avec plusieurs vagues ou prendre celle de Tonnerre en le tuant. Alors on a le choix entre tuer Eglantine ou aller à Ougval pour récupérer l'âme de notre mère. Et c'est ce qu'on va tout de suite faire. Et voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. Que ce l'esprit vous plaît. Ah, pauvre Scarlett. N'a-t-elle pas assez souffert? Désires-tu vraiment faire ça à ta pauvre mère? Oh, prends donc Eglantine. Elle n'est utile à personne. Je ne gaspille pas une vie. Mon petit doigt me dit qu'on va entendre beaucoup de... De cris. Ah, ça veut dire que c'est des banshees. Banshees. Des banshees. Alors voyons voir ça. Je sais ce que tu cherches, mon fils. Mais Jack a envoyé des hurleurs tourmenter mon âme. Ils ne me laissent pas partir. Et maintenant, ils veulent te prendre aussi. Beaucoup d'XP en tout cas. Désolé si j'utilise beaucoup de choses. Voilà. Jack a une grande volonté, et bientôt, un nouveau corps. Mais je sens combien il te craint. Prends mon âme, et venge notre famille une fois pour toutes. Fais-le payer, mon fils. Voilà. Nous pensons avoir déchiffré la troisième inscription. Revenez au sanctuaire. Ouais. Avant ça, je vais à la guerre.
Là, il ne reste plus que deux choses à faire, et ensuite le jeu. Enfin, une vidéo assez courte, mais bon. On fasse ça. Je regarde, il me reste combien de potions? Ça devrait être suffisant. Et voilà. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, nous allons le déporter au sanctuaire pour faire l'avant-dernière chose. Bon, j'espère déjà que ce display vous aura plu. Hein. Donc ça va être très très rapide. Vous allez voir. J'ai fait les deux étapes les plus longues et là ça va être très rapide. Je suis sûre que votre mère serait fière. Bon, il ne reste plus qu'une inscription. La plus vieille âme. Nous n'avons toujours pas trouvé qui ça pouvait être. Voyons, Glantine. Nous savons bien de qui il s'agit. Tu ne peux protéger ce vieux fou plus longtemps. Il s'agit du maître de la guilde, Hero. Jack? C'est donc vrai? Il est vivant? Et toujours derrière un mauvais coup. J'espère que les acolytes de la guilde trouveront une meilleure idée. Vous devriez retourner leur parler. C'est vrai que l'un des deux choix, c'est le maître de la guilde, mais il y a bien un deuxième choix. Ravi de vous revoir. C'est la pagaille depuis que vous êtes parti. Tout le monde court dans tous les sens. Nos archives sont dans un tel désordre. Et le maître de la guilde vient de partir s'isoler dans les bois de la guilde. Nous devons dissuader quiconque de l'approcher. Nous l'avons ! L'âme dont parlait l'inscription. Ça ne peut être que Nostro. Son âme est prisonnière du cimetière de Lichfield depuis des siècles. Nos textes indiquent qu'elle est dans le cercle du cimetière. Là où vous avez trouvé le tunnel vers la prison de Bargate. Attraper des âmes, ce sont des foutaises. Eh bien, bonne chance, Hero. Ok, c'est parti. Voilà, la deuxième, c'était bien Nostro. Donc, ça va être un boss. Est-ce qu'il nous reste à faire, je le sais, donc... La guilde a signalé votre... Mais bon, maintenant que je me suis pas engagé dans le 5... Je ne compte... Je vous le... Nous... Bon, vous savez quoi, on va pas se faire chier avec les ennemis, on va avancer, puis c'est... ça. Parce qu'il y a trop d'ennemis, j'ai pas le temps pour ça. Maintenant ça sert à rien, j'ai tout ce qu'il me faut au maximum. Donc. Enfin, tout ce qui concerne la précision, enfin, tout ce qui concerne l'agilité et force, j'ai tout au maximum. Magie, mais la seule magie qui m'intéresse, c'est ralentissement du temps et aller déjà au max. Je vois pas l'intérêt. Voici Nostro. Vous m'avez apporté la paix en retrouvant mes armes et mon armure. Merci. Pour cela, je vous offre mon âme. Mais moi, Nostro, j'ai une âme de guerrier. Vous devrez me la prendre en combat pour que je puisse rejoindre fièrement mes camarades
dans l'au-delà. Mes hommes ont juré de me protéger après la mort. Je deviens vulnérable lorsqu'ils tombent. Prenez mon âme dans l'honneur. C'est la dernière âme. C'est le poisson, tu vas profiter de tout ça. Voilà, go! Disent qu'un seul héros pourra passer la porte. Évidemment, ce sera vous, car vous êtes le plus fort. Je ne sais pas quelle forme Jack va prendre, mais à mon avis, il ne va pas s'incarner en cochon d'Inde. Bonne chance, je compte sur vous. Et c'est parti. Trop tard, une fois de plus. Je mentirai en disant que je veux vous... Maintenant, vous recevez une nouvelle quête. Oui, la nouvelle et la dernière quête. Tu ne seras pas morte pour rien un moment. Je la vengerai. La dernière zone du jeu, la folie d'Archon. Ou d'Archon. Enfin, il reste une zone à trouver, mais je sais pas si c'est avec. Ah, te voilà. Une longue attente, mais je savais que tu viendrais me libérer. Tu n'es qu'un pantin. Tu n'en as jamais assez de te faire manipuler. Je suis immortel. Les dieux et les démons que tu crains et adores ne sont rien pour moi. Ah si, 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 il fallait que je m'installe. Pas mal. Cette chaleur, ces flammes, comme le jour où Ogval... J'existe depuis des millénaires. Je ne peux réellement comprendre ce que je suis. Tu ne te rends pas compte à quel point tu
Scorpion va brûler. Tout ce que tu as accompli était vain. Ce fut un combat qui marqua les esprits pour des siècles et des siècles. Le jour où le héros Tocqueval tua Jack of Blades, le dragon. Le jour où l'étrange créature au masque fut enfin bannie de ce monde. Et si notre histoire doit s'achever ici, même les plus optimistes savent que le combat entre le bien et le mal est loin d'être terminé. Quant au sort de la guilde et de ses héros, cela est une autre histoire. Et bien voilà. C'était la fin de Fable Anniversary sur PC. Alors, ce que j'en ai pensé. Ce que je pense pour Fable 2 et Fable 3. Cette série est juste énorme, cet opus est juste magnifique. Il est excellent ce jeu. Si vous le trouvez pas cher, que ce soit sur Xbox ou PC, faites-le. Même si vous m'avez déjà vu le faire, faites-le. Faites-le vous-même, faites-le à 100%. Parce que moi je vous montrerai à 100%. Je vous ai montré un maximum de choses. Pas à 100% après. Faut choisir l'aliment mauvais si vous voulez. Des choses qui changent. Je vous ai pas montré par exemple deux armes. Une arme qu'on peut avoir du côté bien en donnant 3000 pièces au temple d'Avo, ou alors une autre, un arc qu'on peut avoir en faisant un sacrifice humain, enfin plusieurs sacrifices humains au temple de Scorn, au sanctuaire de Scorn. Donc voilà. Excellent jeu. Ouais, je vais passer la scène, hein. Je sais qu'il n'y a rien après. La salle du destin, on n'y allait qu'une fois. Et voilà. C'est fini. Vous venez d'apprendre l'expression insulter. Ah bon? Vous êtes maintenant assez mauvais pour utiliser l'expression déhanché vulgaire. Vous êtes maintenant. Ok. L'expression doigt.
Attendez, là je comprends pas. Pourquoi j'obtiens ça? Je suis de côté mauvais pourtant. Par stats. Attendez. Bizarre. On remet notre casque. Et voilà. As-tu quelque chose à nous dire? D'accord. Pourquoi pas. Bon ben, j'espère que ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et si vous avez d'autres idées de let's play, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, etc. Ça me fera très plaisir de faire le jeu et d'avoir vos avis. Passez une bonne journée et une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.